Salut mes petits culs et bienvenue de nouveau pour Crooks, le Tubing Heist. Donc vous savez, les cambriolages avec nos petits personnages que nous devons guider. Et j'avais lamentablement échoué à la dernière partie. J'ai mis beaucoup de temps à m'y remettre parce qu'en fait j'avais pas le temps. Et là on va s'y remettre quoi. La centrale atomique de David Eden, on y retourne. Je suis un peu en stress parce que il est compliqué, il est à 3 étoiles et effectivement, on est parti quoi. On va se remettre un peu dans le bain. Voilà. Je me suis préparée psychologiquement. La centrale atomique de Devil's Den. On va y installer un relais radiocommandé pour déclencher une énorme coupure de courant en appuyant sur un bouton. L'électricité, c'est la clé pour entrer dans la réserve fédérale. Bien sûr, ils ont un générateur de secours, mais il lui faut un peu de temps pour démarrer. Bref, c'est à peu près comme le casse du centre commercial de 71. C'est pas le moment. Ah. J'ai réussi à convaincre un technicien de vous conduire jusqu'à l'entrée de livraison. Vous serez dans le périmètre. Après ça, c'est à vous de jouer. On s'introduira par la cafétéria. Ils sont équipés du dernier cri en matière de technologie, notamment des barrières optiques laser. Laser? Vaste. Il faut atteindre le bureau du directeur technique et trouver ses codes d'accès à la zone de haute sécurité. Ensuite, on se dirige vers le niveau du réacteur. Et la sortie. Et ce n'est pas tout. Le réacteur est le cœur autour duquel est construit tout le deuxième niveau. Oh là là. Vous êtes sûr qu'il faut vraiment couper le courant d'une centrale nucléaire? Ce n'est pas plus dangereux que d'avoir construit la centrale sur une faille sismique. C'est pas comme si on volait les barres d'uranium. On doit atteindre la salle de contrôle où on placera un relais coupe-circuit radiocommandé. Et là, boum! Pas tout à fait, princesse. On sera très très loin avant d'appuyer sur le bouton. L'impulsion électrique désactivera le câble principal. Pas besoin de plus. Et ensuite, on descend avec le monte-charge avant de trop se faire irradier, c'est ça? Ouais. C'est l'idée. Pas de panique, si personne ne se plante, on s'en sortira tous indemnes. Espérons. Alors, on est parti? Bah on est parti, hein. C'est promis. Alors, déjà, on va faire les infos sur les gardes et on va jouer le casse. Ah oui, c'est vrai qu'il faut constituer notre équipe. La dernière fois, j'avais pris elle, mais je vais l'enlever et je vais prendre lui à la place. Puisque j'étais en galère avec les gardes. On n'avait pas assez de chloroforme et tout, enfin c'était la galère, donc je pense que je vais garder Rufus. Bah, justement, tout simplement pour qu'il puisse... on va gagner des voilà. Et lui, ça me paraît plus logique aussi. Donc, on va partir là-dessus. Et on va les équiper. Et je m'étais plantée. Parce que pour l'Opcovid, je lui avais mis les trucs des caméras. Mais en fait, il le fait naturellement. Je le sais, en plus, je l'ai ici. Mais je sais pas, je réfléchissais pas. Peut-être. Je vais mettre ça un peu pour tout le monde. Tu vois, je vais te mettre caméra. Truc ça. Et ça. Toi. Tu vas prendre des smells. Toi, tu vas aussi prendre des smells. Toi, t'as la caméra, t'as un coupe-circuit. Tu vas peut-être prendre un chalumeau. On va rester là-dessus. Ça me paraît bien. Et on est parti. Bon, ça fait longtemps, hein. Ok. Passer par la cafétéria pour rejoindre le bureau du directeur technique. Ouais. Attention aux nouvelles barrières laser. Les fameuses barrières laser. Alors, celle-là, elle se désactive. Ouf, déjà. Désactive là. Ah ouais, ok. Ce genre, j'avais pas fait ça la dernière fois. Enfin, bref. On démarre ici. Et il faudrait aller... ici pour désactiver
les caméras. Ça pourrait nous aider. C'est-à-dire que les gars là sont en poste. Va falloir qu'on l'assomme. Je sais pas s'il faut. Ouais, il va falloir crocheter la serrure, ok. Allez, on est parti. On va rester là. On va. Lobkowitz. Il va s'occuper de la caméra. Au travail. Est-ce qu'en fait. Ce que j'ai compris, moi, c'est que. Ah, c'est pas possible. Ok. Ce que j'ai compris, c'est qu'en fait, tant qu'on n'était pas. Ok. Ça, c'est ok. Rufus. Ouais. Non, mais Rufus. Tu chopes. Je suis prêt. Tu vas bien? Hey! Oh! Oui. Non, ça c'est à Lobkowitz de le faire. Ouais. On fait quoi maintenant? Une serrure à crocheter? Tu vas me faire tout ça? Tu vas bien? Mais t'as désactivé. C'est bon. Et toi, tu reviens là après. Normalement, on est safe ici. On n'a pas pris le chloro parce que j'ai l'autre là. J'ai Rufus. Ah, il y a encore la caméra ici. Ah, c'est ici, ok. Là, je sais, ici, c'est assez simple, mais il faut ouvrir la porte là. Et il faut qu'on aille là. Ok. Donc dès que lui tourne le dos au aussi. Travail. Et le c'est savoir c'est lui où est-ce qu'il va aller. Merde. Non, c'est bon. Là. Normalement, eux, ils sont safe parce qu'il va les regarder ici, mais ils seront cachés par le camion. Donc pour l'instant, c'est bon. Oui. Et ici, c'est Lobkowitz. Ouais, ouais. Et on va attendre aussi, parce que là, ils sont désynchro. Donc, on va attendre que lui s'en aille pour qu'on aille ici. Ça va ouvrir la porte là-bas. Et il faudrait que... Les fameuses barrières laser que je pensais que c'était... Hein, et que je m'étais fait griller la dernière fois. Là, c'est bon, je me ferai plus avoir. Hein. Loco! Je me demande si lui, tu ferais pas mieux de ouvrir. Je sais pas si on va avoir le temps. Ah, je pense pas. On va se faire griller. Ouais, encore il est safe jusqu'ici. Ok. Qu'est-ce que je fais? Parce que...
Là, ce serait intéressant. Est-ce que je fais rentrer Bishop là, dans le dos de lui? Qu'il a... Oui. Ah, c'est l'Obkovitz en fait qu'il faudrait que je fasse. Technicos pareil. Bah écoute. Par contre, toi, tu vas te replanquer là parce que sinon je vais. C'est parti. Maintenant, il y a la caméra! Oh là là. Parce que s'il rentre là, il y a la caméra, il faut la désactiver. Mais on la désactive où? Ah bah ouais, là, d'accord. Ouais. Ok, j'ai compris. Et tu peux pas l'ouvrir? Merde, c'est un truc lourd! Oh non, mais... Oh non, mais je vais me faire... Oh, c'est que le début, je me fais déjà baiser, quoi. Oh non, putain! C'est mort! C'est qui, toi? Bah ben voilà, je me fais déjà baiser. Tu vas t'en mordre les doigts. Bah, c'est la cata. Voilà, hein? On recommence. Je suis trop nulle. Je suis trop nulle à ce jeu. Je suis beaucoup trop nulle. Je suis dégoûtée. Ouais, et bien sûr, il m'a bien sûr. Non, mais voilà quoi. Parce que lui revenant, de toute façon, c'est mort. Je peux pas. Tu vas aller là. Façon, il n'y a pas d'autre choix. Et puis comme ça, tu le fais. Et puis... Ah, ok, ça c'est bon. Mais elle est où cette caméra? Elle est là dehors. Ah, il faudrait attendre qu'il refasse un tour. À moins que Rufus, il est là. Rufus, il pourrait bouger. Attendez, le garde, il est quoi? En armure. Il résiste au désossement au chloroforme, mais pas au point de fer. Attendez, il peut pas le faire? Dans quelle merde je me fourre, moi? Oh, mais c'est pas possible d'être aussi nul! Il résiste pas au point de fer. Mais on n'a pas le point de fer, c'est ça que tu me dis? Ah non, bah non. Force brute, on a seulement. Ok, bah écoute, tu sais quoi, tu vas ouvrir ça. Ok. On s'en fout de ce qu'il y a là, en fait.
C'est quoi le topo? Ouais. C'est pas grave, tu vas aller là-dedans. Quoique non, il va te voir. Va là-bas. Bishop. Oui. J'ai pas d'autre choix. Hein. Technico Spy, au travail. Je sais même pas si ce que je fais, c'est bien. Ouais, ouais. Ok, ça m'a réduit ma jauge. Tu vas ouvrir la porte. Ok, le mec. Y a pas un truc à faire ici? À part de la thune? Non, tout, c'est tout de l'intérieur. Ouais. Je pense que là, s'il reste là, il est planqué. C'est qui, toi? Eh merde! Mais non, quoi! J'en ai marre! Oh là là, mes oreilles! C'est pas parti du plan, ça! Non! Je suis nulle! J'arrête pas de me planter. En fait, j'aurais dû refermer la porte. Comme ça, l'autre, il m'aurait pas vu et celui de la cour m'aurait pas vu non plus. Oh putain, mais non! Mais pourquoi? Il a disparu. Ok, j'ai compris. Plus en geste. Ça faisait pas partie du plan, ça. Non, mais j'ai compris. J'ai compris, on va refaire, y a pas de souci. J'ai compris. C'est galère! En fait, il va refermer. Et il va aller ici. Et ici. Regardez. Non, mais je me fais biaiser là. C'est pas juste. Trop tard. Ça faisait pas partie du plan, ça. Oui, je sais. Je me croûte juste un million de fois sur cette mission. Ah, elle est chaude, hein. Franchement, c'est chaud. Bon, alors, dans ce cas-là, on va partir. Hein? Ah oui. Ben non, mais dans ce cas-là, tu vas partir. Va là-bas. Putain. Oui, c'est bon. Et l'autre? C'est bon. Tant pis pour les sous. Je sais pas si t'as le temps. Non. Ouf.
Oh, je vous jure, là, c'est hard. Tant pis, hein, il y avait des thunes là, mais bon. C'est chaud. Bon. J'ai dû rêver. Oui, t'as dû rêver. On va refaire l'info sur les gardes. On va retourner. Ouais, toi tu vas te préparer à sortir quand l'autre, quand lui sera par là en espérant que... Ouais. Tu peux venir de suite ici s'il te plaît. Sachant que la porte a été ouverte... Ah merde, l'autre il arrive aussi maintenant. Viens là alors. Tu vas bien? C'est quoi le topo? Oh là 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 là. Bien reçu. Et maintenant, je suis prêt. C'est tout juste, Auguste. Ok. Venez ici. Tu vas bien? Normalement, on est bien là. Zen. Il va falloir qu'on ouvre, qu'on règle les caméras. Ah ok, c'est super, on a les caméras ici. Déjà, ça c'est fait. On est tranquille, de ce côté-là, on sera bien comme il faut. Il faudra... Ah, l'interrupteur. Il n'y a que ce moyen d'ouvrir la porte-là? Ouais, mais t'as Jean-Kevin qui regarde. Ça, c'est bien. Maintenant, il faut qu'on aille... Au travail. C'est Lobkowitz. Technicos, pareil. C'est bon. Je peux venir là. Je suis en train de me dire... Mais il y a toujours cette porte-là à ouvrir. Hein. Comment j'étais rentrée par là, moi? J'avais étourdi Jean Kéké? Là, on est bien. Ok. Nous avons un chloroforme et une pilule du bonheur. Oh, il y a des sous. Ah non, les sous, ils sont de l'autre côté. Ce serait trop simple. Ok. Toi, le passe-muraille. Ça fait du bruit ou pas? Non, tu vas pas le faire. On va attendre que lui soit loin parce que j'ai peur que ça fasse du bruit. Honnêtement, j'ai des doutes. Ouais, c'est ça, ça fait quand même du bruit. Hein. Mais moins que la dynamite que je crois que j'avais utilisée dans la dernière fois. Donc, Lobkowitz. Ouais, bah viens. Mais attends. Ça va me brancher ça? Oh merde. Mais ça, si je le bascule, ok. Donc quand quelqu'un viendra ici, je bascule, il y a ça qui s'enlèvera. D'accord, ok.
Mais ici, on est free. Ok, donc, Lobkowitz, toujours, tu t'occupes de la caméra. Bah tiens, ouais, viens chercher les sous, au moins on en aura un. C'est parti. Ça va barder. Tu vas bien? Oui. Je pense que toi tu peux ouvrir la porte, c'est ça. Je parle pas trop parce qu'en fait je suis tellement concentrée, je sais que c'est... Il... Ouais, ouais. Elle est chaude cette mission donc... Et ça c'est ouvert. Et là ça désactive pour de bon la caméra et la caméra ici. Ah ouais, c'est beaucoup mieux. Mais si on est dans son dos... Je vais envoyer Rufus. Une serrure à crocheter ? Je suis pas sûr. Hein. Et maintenant ? Hé ! Vous ! Ouais. Plus un geste ! Merde ! Désolé. Bon, ok. C'est pas grave. J'ai juste merdé. Il va l'assommer avant de s'occuper du truc de terminal de caméra, parce que sinon... Ouais. Au travail. Je peux pas faire autrement, donc il va l'assommer. Prêt à en découdre. Vas-y, vas-y. Mais ça, par contre... Je suis prêt. Ah, la caméra, elle est... Technico spy. Ah oui, elle est désactivée, je suis bête. Ah là là. Et maintenant ? Lobko. Bien reçu. Je suis là. Oui. Ah, je m'en sors quand même beaucoup mieux que la première fois. Il y a juste ça. Lui, il entend pas. C'est tendance, parce que là il est tout juste un. Mais Ah, il faudrait refaire le tour en fait. Ok. Tu vas bien ? Bon, en fait, je suis en train de réfléchir. On va tous refaire le tour, c'est pas très grave. Ouais. On n'est pas coincé ici en fait, parce qu'on peut passer par là, on est bien. Donc ça c'est pas grave. Ah mais si ! Parce que de toute façon je peux pas passer là. Attendez. Bon. Ça va barder. Technico spy. Vache. Serrure accrochée. Ok. Mais ça, par contre... Ouais.
C'est-à-dire que toi, il est où lui? Il va falloir qu'on attende. Je vais attendre. Voilà. Lui, dès qu'il tourne le dos, effectivement, on va en envoyer un là. On va réactiver. Voilà, on va envoyer le... On va envoyer Lobkowitz. Une petite seconde. De quoi? Qui? Ah, lui? J'avais complètement oublié. Est-ce qu'il a vu qu'il y avait le... Oui. Toi. Tu réactives. On est OP. Toi, tu lui redonnes un coup. On est bien. Au travail. Je suis arrivé. Ouais. Ça va barder. On va attendre que lui refasse un tour aussi encore. Lobkowitz, il ouvrira la porte. Et on ira tous ici. Pas au paradis, mais ici. Et je pense que ce sera pas mal pour avoir repris le Crux. Ouais. Tu vas me le rassommer un coup. Je suis là. Ok. Non, 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 tu veux... Non. Ok. Merci. Toi, tu ouvres. Allez, go les enfants! Putain, mais non! Il verra rien. Il voit même pas que son pote il est par terre quoi. Bon, pour l'instant, on est quand même bien. Il y a un truc de caméra ici. Lobkowitz, tu vas t'occuper de ça. Logiquement, ici, je sais qu'il n'y a aucun problème. Hein. Venez vous mettre là. Ouais, il va venir ici surveiller. Tant qu'il vient pas dans notre grand couloir, on est bien. Et lui, c'est celui de la cour. Ouais. Donc, de toute façon... D'ailleurs, je n'ai pas remis... C'est les infos sur les gardes. Hop. Est-ce qu'il y a personne dans la cour? Et il va y retourner. Bon. Voilà. Il retourne dans sa cour parce que nous, on est bien planqués. Donc, j'ai juste manqué de chance qu'il retournait comme ça et on est passé dans l'encadrement de la porte. Mais c'est pas grave. Moi, là-dessus, je vais vous quitter pour cet épisode. On reprend tranquillement Crux et je vais essayer de moins me planter. Je pense que je me suis déjà un peu mieux débrouillée. Bon, j'ai fait de la merde, mais je me suis un peu mieux débrouillée. Je pense que le choix de prendre Rufus au lieu de Rocket, j'allais dire, est beaucoup mieux. Et j'espère que cet épisode vous aura plu. Donc, effectivement, c'est la première fois que vous voyez cet épisode. Je vous conseille de revoir l'avant parce qu'il y a une histoire aussi et vous comprendrez mieux comment on gère les personnages. Et pour les autres qui y avaient déjà regardé, ben merci d'être encore là. Et je vous embrasse très fort, je vous dis à très bientôt. Allez, salut!